Et bonjour, internautatrices et internautateurs. Le clan du Cygne est toujours réuni à Galdenville pour se développer et survivre dans le monde terrible de Rimworld. Je vais renommer les personnages que nous avons récupérés. Donc nous avons Sleepy qui va devenir Célestine. Nous avons Mangazor et Papillote qui sont nos mécènes ensuite. Donc c'est des Brio que nous avions recrutés ensuite. Donc Brio est une femme. Ouais, Mangazor. Ça devrait le faire. Et puis Brécure va s'appeler Papillote. Hop, c'est ici, Papillote. Hop, voilà, c'est renommé. Hop, donc nous pouvons reprendre le déroulé de notre aventure. Le maïs va bientôt apparaître, enfin bientôt être mûr. Ça tombe bien parce que là je gère un peu comme je peux. C'est un peu le bazar là-dedans, je veux pas dire, mais là, je suis censé avoir jusqu'à 20 emplacements et. Alors ce que je vais faire, en fait, lui je vais mettre. Je vais autoriser que les trucs qui sont au moins normaux. Et puis je vais m'en faire un autre dans lequel je vais mettre tout ce qui est pourrave. Donc une garde-robe que je vais faire en bois par contre. Donc stockage, garde-robe ici. En bois, tac. Là, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque du cuir fin. Ouais, cuir. Cuir fin, j'en ai pas assez. Alors, il faut que je le fasse en tissu, par exemple. Voir. Tac. Faire une copie ici. Ça, on va pouvoir le réattribuer au prisonnier, celui-ci aussi. Pile sur 8, suis pile sur 8. Hop. Je vais refaire également un stockage de matos. Sinon c'est toujours utile. Donc je vais le faire plus centralisé. Tac. Parce que là je vais mettre plutôt. Je vais mettre les deux plutôt au bord. Enfin plutôt au centre. Pour laisser des dispos pour mes ateliers. Concentrer, hop. Laisser le passage libre sur les bords. Encore des buffalos. Beaucoup de buffalo dans la région sont devenus enragés. Bien, on aime les vagues psychiques. J'en ai combien? J'ai bien fait de réduire la population. Ah, c'est bon, il n'y en a que deux. Hop, et l'autre. Bah, ils sont tous les deux là. Eh bien, ça tombe bien, mes troupes sont fraîches et dispo. Malvinette qui est sur le point de péter un câble. Qu'est-ce qui va pas, Malvinette? T'as faim peut-être. Tu dois convertir. Qu'est-ce que tu dois convertir? Il reste Papillote à convertir. Va me convertir Papillote.
Hop. Et puis ensuite, tiens, à manger. Parce que quand même... Tiens, ce sera au prochain coup. Et puis elle va bientôt être convertie. Par contre, Mangador, ça va être plus compliqué. Alors, nos Buffalo sont là. Ils attendent. Non, comme ils ne peuvent pas rentrer, ça m'arrange. Mais logiquement, tôt ou tard, ils vont faire le tour. Des dromadaires. C'est gentil. C'est gentil. Bah écoutez, on va faire avec. On va faire avec. Tac. Dromadaire 1 et dromadaire 2. Comme ça, ils viendront de même normalement, je crois. Un mâle et une femelle. Bah, pourquoi pas. Est-ce que je vais les garder? Je sais pas bien, mais c'est bien aussi les dromadaires, puisque ça sert de d'animal de bât. Ah, Darin est totalement guéri, ça tombe bien. Il va y avoir un autre combat très vite. Onyx, tu vas me chercher les dromadaires, fort bien. Bon, si ça se trouve... Alors, je vais enlever les marqueurs de chasse. Histoire que, parce qu'au bout de quelques jours, normalement, ça c'est susceptible de passer. Comme j'ai peu de raisons que mes gars aillent dans ce coin-là. Mais c'est pas bon daf. Onyx, tu me fais de la bouffe. Très bien. Ça tombe bien. Il faut vraiment que j'apprenne. Ah, mais en fait, le truc, c'est que j'ai personne qui fait de la recherche en ce moment. Et c'est un peu con. Faut que j'apprenne à faire de la binouze. Parce que j'ai plein de houblon, mais j'ai. Je peux pas m'en servir. C'est un peu con. Ah merde! Les buffalo enragés sont là. Ah bah il s'est pris mes pièges, c'est plutôt une bonne chose. Ardarine. Et l'autre il est où? Il est là, d'accord. Célestine, tac. Hop. Ah zut, Ardarine n'a plus sa mitrailleuse. C'est une mauvaise chose. Parce que la mitrailleuse d'Ardarine est bien. Où que tu m'as mise là? Où que tu m'as mise? Équipe une mitrailleuse. Ça va le faire. Et hop. J'en ai peut-être d'autres qui sont... Ah merde, mais vite. Est-ce que... Oui, ma Vinette, je crois qu'elle avait perdu son arme, c'est ça. Ardarine, c'est bon, je suis en train de le rééquiper. Mitrailleuse. Quand tu sauras pas quoi faire, t'iras me chercher le couteau en plastacier avec lequel tu sais pas faire grand-chose. Mais c'est l'intention qui compte.
met en différentes couleurs. Je sais toujours pas trop comment est-ce que ça s'utilise, j'ai pas regardé. Là, je vais pouvoir même faire une fête de l'archisme, de l'archisme. Allez. Bon, il faudrait que j'arrête de faire du blond quand même. Ou du... Et parce que ça, je peux pas m'en servir. T'as un peu gâché quand même, hein, tout ça. C'est gâché, c'est... De la place occupée pour pas grand chose. Hein. Qu'est-ce que je suis en train de chercher là? Je suis en train de chercher l'usinage. Je fasse le brassage de la bière ensuite. Alors... Spiritualité non, mais archisme oui. Demain, c'est la teuf de l'archisme. Avec notre technologiste en guest star à 84%. Papillote qui s'ennuie, bah, écoute. Malvinette, il faut que tu aies terminé ça avant. Parce que bon, on avait dit qu'il fallait du gros son. Allez, c'est la teuf. C'est la teuf, 86%, boule à facettes, faible attente, plein de participants. La pièce est pas ouf, mais il y a plein. Du gros son! Oui! Bouge ton corps, Malvinette, Tonix et compagnie. Hop. Ah, il y a Papillote qui essaye de... Voilà. Alors. Amusante fête de l'archisme. Plus 6. Formidable. Alors, je peux... Réformer, je peux ajouter un mème, supprimer un mème, changer la structure ou changer le style. Alors, on peut illimiter aux préceptes, aux divinités, aux textes narratifs et aux autres. Ouvrez ça. Alors, je peux réformer. Allez, pouf. Changer de style. Changer de style. Technique, moi ça me va. Je peux ajouter un style. Un style quoi? Bon, et beau. Changer la structure, non. Alors, je peux changer ça. Je peux ajouter des rôles, des rituels. Des reliques. Des armes, des animaux, des vêtements. Ouais, j'ai un peu de mal avec le style burqa quand même. Mets une cape, je préfère. Le style masque, je suis pas ouf non plus. Petite capuche, capuche et cape. Hop, ça se valide.
Capuche et cape, la robe ici, et le turban là, ça me va. Alors, qu'est-ce qu'on va changer? Toc, toc, toc. Ça, de toute façon, tout ça, c'est des trucs que je peux pas du tout faire encore. Donc, c'est pas la peine. Alors, ça fait quoi si je fais ça? Recherche très rapide. Oh bah c'est top ça. C'est quoi non pété? Mais c'est complètement pété. Mon Dieu. Et ceci dit, c'est pas forcément absurde. Dans le cadre d'une faction technologiste. Qu'est-ce que je pourrais ajouter comme rôle? Je peux pas en rajouter. Donc, est-ce que je peux ajouter un rituel? Je pourrais rajouter un rituel. Un bâtiment. Arbre de Noël. Des reliques. Tu vas me rajouter. Allez. Bah tiens. Bien ça. Ce qui est noble est à distance, méprisé. D'accord. Ouais. Ok, bon. Animal. Bon, les ânes, hein. Je pense qu'il faut dire que les ânes sont des animaux vénérés. Sauf que si je fais ça, si je pourrais encore les. Peut-être, je suis pour. Non. Je suis pour. Allez, bon, on va s'arrêter là. Validé. Bon. D'accord, maintenant il faudra plus de points pour la re-réformer. Ok. Bon, ça c'est fait. Un jour, il faudra aussi que je pense à améliorer ma. Comment ma. Ma salle des fêtes. Hop. Donc, du thrombos, c'est chouette. Mais courageuse. On va essayer de m'allier. Mariage. Onyx et Brodav se marient. Vive les mariés. Brodav, Onyx. Toutes mes félicitations. Et Malvinette est totalement guérie, formidable. On va enfin pouvoir avancer un peu. Et pendant ce temps, Célestine fait des joints. Voilà. Alors, ça, on avait dit. Alors, déjà dans les trucs que je veux pas, je veux pas les trucs. Là, à la limite, je les veux bien, mais surtout, je veux. Que les trucs qui sont horribles ou médiocres. Tout autorisé. Ok. Voilà. Histoire de ranger un peu le bordel. Ah non, zut, je veux pas que tu me mettes
les blocs de granit. Ça, je suis pas d'accord. Bon, tout ce qui va dehors, ça reste dehors. C'est-à-dire, ok, bon. Copier, coller les paramètres. Les aliments, ça... Oh, t'es sérieux? Ah, ce travail reste en 5. C'est gonflant, ça. Ok. Ah, un fournisseur militaire. Pouvoir changer son arc. Ah oui, alors ça a planté. Tiens, je vais. Elle fait quoi la grenade? Elle peut être créée pour moi. Afficher. Alors, un grand arbre à l'aspect distinctif et de vie unique. Chaque arbre contient une petite reine des dryades inconsciente. La reine donne naissance à des créatures appelées dryades qui gardent et entretiennent l'arbre. En échange, l'arbre nourrit ses protecteurs. De l'extérieur, il semble que les dryades soient créées directement par l'arbre et agissent en tant que partie de celle-ci. Il est possible pour une personne d'établir une connexion avec un arbre et de contrôler partiellement les dryades qu'il produit. Bon. Et ben, on va essayer. On va le mettre sur une zone avec un peu de. Une zone fertile, je sais pas si ça changera quelque chose. Oh, c'est la misère. Bon, il me faut vraiment d'autres. Il faut vraiment un frigo plus grand en fait. Faudrait que je réorganise un peu. C'est un peu la merde. Je vais mettre ça ici temporairement. Où qui sont les marchands? Ils sont là. Ma vinette. Je crois que c'est toujours toi, ma meilleure. Tu nettoies les saletés. Allez, va commercer. Tac. Ne peut plus parler correctement à cause de sa mauvaise santé. N'importe quoi. Alors, les pétards, c'est des sous. Et les sous, c'est bien. Couteau en métal médiocre, normal. Massue en métal. 46. Parc court médiocre. Tous ces trucs qui sont pas terribles, médiocres, normal 42%, tout ce qui est globalement de mauvaise qualité, je le vire. Je vais garder tout ce qui est de qualité bonne, mais j'en ai pas beaucoup parce qu'en général, ce qui est de bonne qualité, eh ben, c'est déjà porté. Donc, je sens que je vais faire des bonnes courses derrière. Je vais même pas regarder ce que j'avais. Ce que je pouvais acheter. Manteau en tissu. Parka normal. Ah, bon, je garde. Bonnet médiocre, horrible. Normal. Tac. Chapeau normal. Chapeau normal. Hop. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Mais c'est tout pourri. Mon Dieu. Mais. T'es censé être un fournisseur militaire, mec. Oh, quelle loose. Il a rien d'intéressant.
Du tissu, du synthé éventuellement. Oh là 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 là. Bon, je vais prendre une lance qui sera quand même un peu meilleure que le couteau, je crois. Un arc long qui sera meilleur que l'arc court que j'ai. Oh, je suis déçu. En herbe médicinale, j'en ai 10. Hop, allez, je vais prendre ça. Je vais prendre ce pemmican, ça peut servir. Oh, je suis tellement déçu. Je vais prendre ton voile en diable étoffe. La parka en synthétique. Oh non. Il dit qu'on récupère des sous quand même. Ouais, le pemmican, c'est pas indispensable. Je vais récupérer juste ce qui me permet d'être. Voilà. Allez. Tac. Tiens, Malvinette, tu vas changer d'arme de mêlée. Donc. Tiens, il a pas voulu ce couteau-là. Attends. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas pris celui-là? Hop. Donne-moi plus de pemmican. Tout naze. Bien. Alors, oui, donc. Ah bah non, le couteau, c'est mieux. Bon, bah, tu vas rester avec ton couteau. Ok. Ah oui, sauf qu'il faut que je change son. Maintenant, elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut déjà? Oh, Bourdaf l'a rejeté. Bah, c'est normal, Bourdaf, c'est un homme marié maintenant. Je te jure. On avait modifié, on avait dit qu'on voulait cap. Et capuche. Alors il me faut une bonne cape et une bonne capuche. La cape est là. Oh, cape est là. Le turban c'est fait. Burka, masque, hop, histoire qu'on y voit un peu mieux. Cap et capuche. Et tu vas m'en faire une de chaque. Par contre, ouais, il faut forcément que ce soit Célestine. Tac. Histoire d'être sûr que c'est quand même pas trop pourrave. Bon, donc là, il faut impérativement que je me rajoute des paniers à nourriture en bois. Hop, hop, hop. Dans mon frigo. J'ai rarement eu un frigo aussi mal organisé. Pourquoi est-ce que les plats végétariens ils sont pas dans le frigo là? Ah, à cause de ça.
Ok. Et on copie les paramètres. Alors, papillote n'a toujours rien à faire. Il va falloir trouver des occupations à papillote. Du coup, papillote joue aux échecs. Papillote fait. Oh, papillote, elle est quand même bonne en mêlée. Papillote, je vais quand même lui mettre plutôt. Je vais récupérer une lance qui était sympa. Hop, allez. Bim. Ah oui, mais c'est que t'étais chasseur. Ouais, bah écoute, tu seras pas chasseur. Pas chassé, pas chasseur. Papillote. Papillote ne sera pas chasseur. Voilà. Mais tu es toujours inactive. Est-ce que tu pourrais pas me faire de la recherche? T'es nul, mais au moins tu serais pas inactif. Papillote. Allez. À réfléchir un peu. Tac. Il faudrait que je fasse un autre. Tu te fous de me. Oh putain. Mais pourquoi est-ce qu'il. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que j'ai programmé moi? Ah, mais du coup, c'est pas comptabilisé? Stop. Stop. Stop, 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 stop. Stockage. Tu vas me mettre là-dedans des plats végétariens raffinés. Tu vas me mettre des plats simples. En fait, il faut que je les mette. Pour ça qu'il ne les prend pas en compte. En fait, c'est comme ils ne sont pas dans les stockages, comme ils sont posés par terre, et ben ils ne considèrent pas que ça fait partie des. De ce qu'il y a à la maison. Bon, donc là, je n'ai plus vraiment de problème de bouffe. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu veux faire? Mets-toi saleté. Ah! Mais non. Oh, zone. Tu vas pas nettoyer la saleté ici. Tac, ça c'est pas. De zone de la maison. La maison, c'est juste la zone agricole. Hop. Là, j'avais dit aussi qu'il fallait que je réduise. Tac, padam, padam, là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme zone qui se balade? Non, c'est bon. Ici. Alors, mon problème, c'est que mon. Il me faudrait. Là, c'est quoi? C'est la cape. La cape, c'est pour Malvinette.
quand même moins ridicule qu'avec ta burqa. Alors, t'es en train de me faire de l'ardoise, sauf que moi, c'est du marbre que j'ai fait ici. T'en as pas d'autre du marbre? Gravat en marbre, bah si. Hop. Je vais faire ça. Et t'as terminé la capuche. Elle est dans la capuche. Capuche. Oui. Capuche en cuir. La lunette. Ensuite, me mettre la capuche en bonne technomachine. Quand tu travailleras. Salut. Bien. Alors, ce que je pourrais faire pour faire un truc qui ressemble un peu plus à quelque chose, parce que là, je suis pas méga satisfait de l'organisation de mon campement. Je pourrais me faire déplacer mon atelier en fait. Dépasser mon atelier, l'agrandir vers le sud. Alors, le problème, c'est que il y a ça que j'ai mis ici. On va laisser une zone de passage. Peut-être faire ça. Je vais me faire. Non, d'abord, n'oublions pas. J'en suis où ma quête là, en fait. 12 jours. Site agricole, site minier. Qu'est-ce qu'il y a? De l'acier. Pomme de terre. D'abord, il faut que je fasse ce fichu mur de protection. C'est quoi ça? C'est du métal. Le métal, je vais récupérer. Donc, en fait, du coup, je vais pas réutiliser ce qui est déjà construit. Je vais faire de l'ardoise. Hop. Tac. Tac. Alors, il faut que je laisse quand même une ouverture. Parce que sinon, si je laisse pas une ouverture, je vais avoir un problème de personne qui. Enfin voilà, il faut que mes adversaires, je les dirige à un endroit précis. Donc, en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut que je fasse. Je vais mettre là. Ensuite, tac. Voilà. L'idée, c'est de faire. Alors, je vais pas tout de suite faire cette deuxième rangée. Et en gros, c'est ça. L'idée, c'est de faire un petit labyrinthe, en fait, pour que les adversaires soient obligés de passer par là et que bah, ils se retrouvent coincés. Puis éventuellement, on peut mettre plein de pièges au milieu. Et ça a tendance à résoudre le problème. Des gros vilains pas beaux. Que je ne suis pas. Mes petits anons. Changement de. Ah. Et tu seras une station de coiffage. Ah. D'accord. Alors il faudrait que je construise une coiffeuse. Eh bien, construisons une coiffeuse. C'est dans production, je crois. Non, c'est pas là. Où est-ce que c'est la coiffeuse? Mobilier? Mobilier.
Quelle est la coiffeuse? Et divers? Coiffeuse. Faisons-nous une coiffeuse. Malvinette, oui, tu peux essayer de convertir papillote. Où es-tu, papillote? Papillote, papillote, papillote. Tu es là. Donc, quand tu auras fini de manger, tu vas aller convertir papillote. Et voilà. Ah, zut! 0,02%. Il le fait exprès. Bien, et pendant que nous construisons ce mur de défense, eh bien, je vais terminer cet épisode. Et ben, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis que nous nous retrouvons très bientôt. Amusez-vous bien d'ici là.